Salam YouTube, bienvenue sur ma vidéo. Ça fait longtemps que je vais faire cette vidéo. On a un problème de Xbox 360. Ça marque Error 71. On va essayer de régler ce problème là. Abonnez-vous, likez si vous avez aimé. C'est très important pour la chaîne, pour évoluer. Merci beaucoup. Bon, on va commencer tout de suite. On va mettre déjà en on, voir ce que ça donne. Wow. Je sais pas normal. Bon ben vous voyez ce que ça donne. On va filmer l'écran pour voir ce que ça donne. Déjà, j'ai pas les bonnes couleurs. J'ai toujours pas de couleurs. Voilà, problème E71. On va fouiller sur internet. On va voir ce que ça donne. Donc dans notre ami Google, on tape E71, on a des résultats. Voilà ce qu'on peut lire. Lorsque ce problème se produit, la console ne peut plus se connecter au Xbox Live, télécharger des mises à jour. Voilà, donc grosso modo, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas jouer. Donc on va chercher la solution via YouTube. À mon avis, sur les chaînes anglaises, on va trouver quelque chose. You don't follow me on Instagram. J'en ai trouvé un. Qui était intéressant. J'ai regardé sa vidéo, je vous invite à la regarder. Il a été sympa, il nous a mis des liens, ils sont ici. On va télécharger tous les liens. Mais en réalité, on n'a besoin que d'un seul lien. Il faut aussi savoir qu'il y a un des liens qui est vicié, il ne fonctionne pas. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai cherché. Hein. Voilà. Donc là, il y avait le lien, ce lien-là. C'est pour avoir la mise à jour Xbox sur l'ordinateur. Voilà. C'est celui qu'il nous faut. Le plus important, c'est ce qui va nous aider à lancer la Xbox. L'autre lien qui était vicié, le voici. J'ai cherché un peu sur le net. Ça se trouve. Tranquille. Comme je vous l'ai dit, on a besoin que d'un seul lien, c'est celui-là, le Launch. Celui-là, on va faire du copier-coller sur notre carte SD. La carte SD, évidemment, elle va partir sur la Xbox. Donc, on va voir si ça fonctionne bien, Inch'Allah. Ce qu'il nous reste à faire, c'est installer le lecteur USB. On va le mettre en dessous. Donc, il faut que ça soit éteint. Hein. Voilà, tout est éteint. N'oubliez pas que ça, il est détaché. Donc le disque dur doit être détaché pendant l'opération. On n'a plus qu'à l'allumer. Rien à faire. Hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais... Alors, depuis qu'elle a démonté, possible qu'il y ait un problème. Tout à l'heure, ça vous laisse ça lancer. J'ai même pu rien me réinscrire, j'ai tout fait. Ah, je vais la démonter, peut-être qu'il faut que je la nettoie, peut-être qu'elle est trop sale à l'intérieur, on va savoir. Là, il y a un jeu dedans. Donc on va voir s'il est bien se lancer. Ouais. Trop capricieuse.
Là, je veux vraiment en live pour que les gens qui ont le même problème, ils voient un peu comment s'y prendre. Voilà. Donc là, c'est... Je vais essayer de jouer. Mise à jour. On va mettre oui. One eternity later. Ça fait une heure que ça charge comme ça. Ça charge sans réseau. Donc je vais éteindre. Et je vous ferai une autre vidéo parce que ça fait une vidéo longue là. Voilà, donc il y aura une partie 2 normalement, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'est la récompense. Merci beaucoup.